Bon bah les gars, c'est ma première fois au skatepark. C'est pas mon truc moi de martyriser les voitures à la Kevin Talbot alors, après. Donc, du coup pour ce petit choix, voilà, j'ai pris le mix, j'ai pris le max. Pourquoi tu vas me dire? Comment te dire Bah écoute, je ne sais pas, peut-être parce que c'est super solide. Ouais voilà. Donc j'ai pris le max, maintenant faut que je... que je prenne mes marques. Parce que j'ai envie de venir. De venir avec le gros. Ah. Ouais, c'est toi, c'est... Je le fais parce que voilà, je vais essayer, mais tu vois, c'est pas un truc qui me. Qui me fait vibrer moi, tu vois. Après voilà, chacun ses goûts, hein. Hop là. Tu vois, et la voiture, elle le sait que c'est pas mon truc. La voiture, elle le sait, dit Nico, pourquoi tu m'as envoyé? Tu sais très bien que c'est pas ton truc. Tu vas je vais me casser. Oh. Oh la vache. Puis en plus, c'est du goudron, hein. Heureusement que c'est des carreaux à cassable. Jean. Allez, hein, je l'emmanche moi. Voilà. Donc tendance un peu à piquer du nez. Là, je suis honnêtement, hein, je suis à 50% des gaz, hein, je fais rien du tout. Je déteste quand ça tape les bulkheads comme ça. Oh, Dieu. On va un peu. Ouais. Il faut vraiment durcir. Si tu veux faire du skateboard, tu durcis tes vos suspensions parce que là, je suis en mode. Je suis en mode terrain, la chigne. Là, c'est vrai que à chaque truc, tu veux. Oh. Et bon, vaut mieux tomber toujours soit sous le train avant, soit sur le train arrière, mais. Éviter de tomber les quatre fers en même temps. Parce que sinon, ça va faire souffler les diffs. Ah tu vois, il me manque un peu... Ouais, l'appareil pour faire des figures. Le 21 il n'est pas suffisant. Là pour faire un. Ça me paraît compliqué. Ooh.
Oh mon pauvre. Si on veut pas, bah ça a remis la carreau. On fait gaffe. De toute façon, je savais que quand j'allais revenir là, il y aurait un truc de cassé. Donc, physiquement, je suis prêt pour. Donc on va faire la connerie quoi. Hein, on est tous d'accord, on va le tenter. Allez, on va le tenter. Faut éviter d'être dans cette configuration, t'as les quatre types là. L'énergie peut pas sortir, peut sortir de nulle part. Et là tu prends tout dans la transmission. Ouais, pour faire du stunt, il faut vraiment le pneu 24. Ça c'est évident. Là. Bon. Mon bricolage, il est un peu sauté à l'avant. Ça c'est pas très grave. Lui, il s'est recoulé. Faisons un petit check rapide quand même. Alors, amorto, check. Arrière, check. Oh, il y a un petit peu de jeu. Il y a un petit peu de jeu. Ça tourne toujours. Bon, écoute, pour l'instant. RS. Mais ça, je le fais vraiment par pure curiosité. Parce que je voulais essayer une fois le skatepark. Mais je pense que je ne le referai pas. Clairement ça m'intéresse pas plus que ça. Tu vois, la voiture ne veut pas le faire. Tu comprends? Quand la voiture ne veut pas le faire, et ben en général ça se finit pas très bien. Mais bon, c'est un max, ça peut pas se finir non plus horriblement. Faut que j'accélère. Là, un peu, tu vois, avec le max on serait tranquille. Mais là, la pente est un peu. Elle est un peu trop. Un peu trop abrupte. Peut-être la prendre un peu de travers. Ça ira mieux. Bon, alors j'ai réussi à faire une fois. Bon, quand même, hein. Parce que là. Pas l'air d'un con, mais pas loin quand même. Là, j'étais pas droit. Eh, mais est-ce que j'étais pas. Eh ben ouais, j'étais pas à 100% les mecs. J'avais laissé les réglages du petit. Merde. Ah, ma masse, excusez-moi. Voilà. Ah bah là par contre on va peut-être pouvoir tenter le backflip sur le petit saut. Je me disais bien qu'il y avait un truc qui allait pas. Alors voyons voir ça. Ouais, je me disais il n'y avait pas assez de reprises en l'air pour faire quelque chose. Il me paraissait bizarre. Un petit backflip qu'on rentre du coup à 100%. Voilà, bon, après il y a une petite pente hein, quand même. Je ne veux pas savoir s'il a tapé le bidon. On va essayer de faire comme ça. Ah. Tout juste.
Là, tu vois, il n'y a pas cette vitesse initiale. Il n'y a pas cette vitesse initiale. Bon, voilà. Bon, j'avoue, c'est rigolo 3000. Mais déjà, faut une caisse extrêmement dure. Et puis, mais ça, enfin. Ah, moi, je suis pas un grand fan de stunt. Donc, je l'ai fait une fois. C'est sûr que je ne viendrai pas avec le petit, ça c'est évident. Voilà. Bon, on a perdu les LED, hein. Je dis tout de suite, arrière, avant, le bricolage n'a pas tenu. Voilà. Elle fonctionne encore, c'est LED. Eh oui. Eh ouais. Je crois que le cerveau commence à dire. Ouais, salut, bye bye, c'était mono, nanana, bye bye. Il commence à avoir un petit grain de sel là qui le. Quelques petits chocs. Avancer la carrosserie. Oh. Bon, là, je crois qu'elle est morte. Là, elle est. On va ressouder ça. Ça, c'est rien du tout. J'attends les polos. Pour l'eau production, pour le max, qui sont intégrés dans les. Dans les pare-chocs d'origine, qui seront plus à l'abri que mon petit bricolage à 5$. Bon, n'empêche que c'est solide. N'empêche que c'est solide. Oh, peut-être que le double passe, tu vois. Non, peut-être pas. Peut-être pas. Peut-être pas. Ne surtout pas montrer ça à Pierre. Ah, planté trop en avant. Bon, voilà, ça me fait rire 3 minutes, mais je prends quand même beaucoup moins de plaisir. Qu'à bâcher ou à faire des sauts tranquilles, bien beaux, que
que voilà, tout taper sur du dur en fait, c'est ça le problème. Tu prends un skatepark et tu le mets un revêtement mou. Les RC elles vont moins morfler, c'est vrai que ça morfle. Hein, t'as vu là, tu tapes le skid, mais bon c'est une brute hein. C'est une brutasse cette machine. Ah, il y a un petit peu de. Ça c'est un peu. Hein, desserré. Pareil. Les crousses desserrent un peu. Non mais. C'est une brutasse, qu'est-ce que je te dis. C'est une brutasse. Le seul truc qui a pas tenu, c'est mon bricolage. Donc, ça c'est pas la faute du X-Max. Du Max. Donc voilà. Bon, je pense que ça va me suffire à moi. Et à la carreau aussi d'ailleurs. Vive l'incassable, je vous le dis tout de suite. Vive l'incassable, tira, 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 vive l'incassable. Allez, à plus les gars.